Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre et je vais vous faire un compte rendu d'achat et de soldes. Et aussi, j'ai un petit bonus, un cadeau d'un ami. Voilà, vu que les vigogniers en ce moment, c'est pas trop la période. J'ai vu des annonces, c'est pas mon moyen, plus que le temps qu'il fait. Voilà. Alors, en ce moment, vu que c'est la période des soldes, alors je vais vous montrer tout ce que j'ai en. Tout ce que j'ai acheté. Et aussi, bon, il y a un jeu que j'ai acheté hors de solde. Avant ça. Je vais vous dire que vais bientôt m'acheter Monster Hunter World sur PS4. J'espère que j'aurai assez de sous. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Ouais, pour l'instant, ouais, je fais à peu près voilà, pas mal d'achats. Ouais, non, c'est. Ah, et puis si, j'ai eu un DLC de Final Fantasy XV sur PS4. J'ai eu un nouveau DLC, je teste et franchement c'est super. J'ai eu des maps de Ark aussi. Voilà. J'ai eu des mises à jour. Et pour le DLC de Final Fantasy, ça m'a coûté 4 euros, 5 euros à peu près, arrondi. Vu que c'était la période des soldes sur Play Store, alors j'en ai bien profité pour télécharger des contenus. Voilà. Alors, commençons par les achats de soldes. Alors, on va commencer par ces deux jeux. Deux jeux de PS4, il y aura beaucoup de PS4 et un petit peu de DS, voilà. Et un petit cadeau aussi. Vous verrez. Alors, en commençons par ce jeu, The Walking Dead Collection. Alors, je l'ai pris, il est neuf. Voilà, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je l'ai déballé. Walking Dead Collection, c'est un des jeux où tu dois faire des actions. Et apparemment, c'est la collection avec toutes les saisons de Walking Dead directement dans un seul jeu. Alors qu'à la base, il y avait plusieurs jeux, il y avait aussi sur PS3. Mais là, je suis content de l'avoir trouvé, même s'il coûte un peu plus cher. J'ai pris 9, j'ai pris un risque, mais je voulais parce que voilà, je le voulais. Et actuellement, celui-là, un jour pour le tester. Alors voilà, bon, il n'est pas complet, mais c'est normal, c'est un petit jeu voilà, interactif. C'est vraiment. Voilà. Et puis j'ai un jeu avec la même. Je vous montrerai tout à l'heure avec le même développeur. Voilà. Voilà, un jeu interactif où tu fais des actions et tu suis l'histoire. Et vu que je suis fan de Walking Dead, je suis content de l'avoir pris. Voilà. Ensuite, alors, c'est pas vraiment soldé, mais c'était une promotion à Micromania. C'est The Walking, je sais pas comment ça se dit, j'ai désolé pour ma prononciation. C'est pas évident, mais ce jeu-là, il est très recherché. J'ai changé la boîte parce qu'elle était un peu abîmée, un peu sale, donc j'ai pris une autre boîte d'un autre jeu que je joue pas beaucoup. Alors, ce jeu-là, c'est un petit jeu d'arcade pour changer, un jeu de rétro. Franchement, j'adore ce genre de jeu. Je voudrais avoir testé ce jeu. On m'a dit qu'il est très difficile et voilà, il est complet en plus. Tu vois, il y a la notice sur ce jeu-là. Super, très content de l'avoir récupéré ce jeu PS3-4. Ensuite, nous avons eu un petit contenu. J'ai été hier. J'ai eu tous ces jeux-là en solde aussi. Ouais, c'était soldé. Sauf un seul jeu qui est en d'occasion. À Micromania toujours, parce qu'en ce moment les magasins, il n'y a pas grand chose. Alors j'ai pris la compilation des flashbacks, donc avec classique. Voilà. Voilà. Alors celui-là, ils sont à 10 euros chacun. Le flashback volume 1. Je me suis dit, j'avais jamais testé les jeux d'Atari, c'est vrai que c'était pas ma génération. Je me suis dit, autant les prendre, en plus pour ce prix-là, je voulais les prendre, mais c'était trop cher. Et là, vu qu'ils étaient soldés, j'aimais bien profiter pour prendre les deux. Ce sont des jeux de rétro Atari. Ce sont les vieux jeux d'époque. En contenu sur les deux jeux. Voilà, celui-là, le volume 2. Voilà. Je suis super content. J'espère qu'il y aura même. J'espère qu'il y a aussi. J'espère qu'il y aura le fameux jeu E.T. J'espère qu'il y est dans ces jeux. J'espère. J'aimerais bien j'aimerais bien qu'il soit dans ce jeu. C'est le fameux jeu que j'ai vu sur JDG. Ah, ensuite, un autre jeu de rétro. J'ai vu sur JDG aussi ce jeu. J'ai vu qu'il a l'air sympa ce jeu. C'est un jeu de rétro où tu crées une ferme, apparemment. J'ai vu un gameplay. Franchement, il a l'air sympa. C'est pas le meilleur jeu, mais il était soldé à 14 euros au lieu de 20 euros. Franchement, il est complet. Il manque peut-être un truc, j'ai l'impression. Sauf qu'il y a le sous-titre, il y a la notice et le CD de musique. Par contre, apparemment, il devait avoir une carte, mais il n'y est pas. Donc, ça, c'est dommage. Il n'est pas complet, complet. Bon, c'est pas grave. J'aurais bien voulu avoir une carte. Bon, c'est pas grave. Et enfin, j'ai enfin pris Dragon Ball Z Xenoverse 2. Je l'ai pris parce qu'il était à ce prix-là. Et franchement,
Il était à ce prix-là et je me suis dit, génial, il est enfin à ce prix-là, il est le moins cher que j'ai trouvé. Bon, il en est, plus tard, il sera peut-être encore moins cher, mais à ce prix-là, d'occasion, je l'ai pris. Et je sais qu'il paraît que celui-là, c'est une claque comparé au premier. C'est une claque. On peut avoir plus de personnages. Il y aura peut-être des, je crois, des personnages de Dragon Ball Super, je crois, dans celui-là. Ça fait plaisir de l'avoir en sur PS4. Voilà, bon petit jeu. Voilà, bon, il y a juste un truc dedans. Season Pass, d'accord. Ok. D'accord. Voilà, il est super, super génial de l'avoir celui-là. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Ensuite, aujourd'hui, je suis parti à encore Micromania, mais dans un autre endroit de centre commercial. Je me suis pris par le même truc de Walking Dead, par les TTJ. C'est le fameux. Mais j'adore ce film. Il m'a coûté 17 euros, celui-là, normal. Retour vers le futur game. On m'a dit que c'est pas un super bon jeu, mais voilà, moi je suis l'histoire et j'aime bien le film et je sais que c'est la suite. Et après là, je l'ai trouvé, il est pas comment le trouver, alors je l'ai pris. Franchement, j'ai pas hésité. Je l'ai pris quoi. Parce que voilà, il est pas commun. Et ce prix-là, franchement, ça fait plaisir. C'est pas trop cher. Et ensuite, deux jeux de DS. Et puis j'en ai un autre aussi, je vous le dirai après. Alors, j'ai pris FF3, la suite, parce que je n'ai pas le 3 normalement. Je crois pas. Non, je dois avoir le 4 et le 2. Il manque peut-être juste le premier, je crois. Voilà, un petit Final Fantasy. À un moment, le gars, il a cru qu'il n'avait pas le jeu. J'ai eu la chance. J'ai cru que je n'allais pas le voir le jeu. Et finalement, il a retrouvé la cartouche. Donc, franchement, il me le fait à 20 euros celui-là. Voilà, ça fait plaisir. Un bon petit jeu de DS. FF, voilà, compliqué la collection d'FF Final Fantasy, même si je n'ai pas beaucoup y jouer, mais ça fait plaisir d'en avoir dans la collection. Et j'ai entendu dire que ce jeu-là, il est très pas commun. Il est s'appelle ne Next Re Ultimate ne NES Remix. C'est des jeux de NES, de tous les jeux que je connais, quelques jeux que je dois connaître. Et ça fait plaisir de l'avoir celui-là. Il n'est pas ce prix-là. Hein. Le gars, il m'a fait une promotion à 15 euros. Et franchement, j'ai pas hésité parce que ce jeu-là, il est pas évident de le trouver. Et je suis content de l'avoir ce jeu sur DS. 3DS, pardon. Alors, je suis très content de l'avoir trouvé. En plus, à ce prix-là, au lieu de 30 euros, j'ai eu à. Hein, au lieu de 30 euros, j'ai eu à 15 euros. Et enfin, la dernière fois, j'étais avec mon pote. Je vous montrerai ce qu'il m'a offert aussi. On était ensemble. Et il m'a jeté à la cache, je me suis pris un petit Pokémon Soleil pour l'essayer parce que je ne l'avais pas encore essayé. Je l'ai testé, franchement, il est pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont supprimé les badges. C'est bizarre, je savais pas qu'ils avaient enlevé les badges. Tu peux plus avoir les badges, c'est des épreuves maintenant, c'est plus rien à voir avec ce qu'on avait connu, quoi. Bon, il est pas mal, hein. Bon, il est dans la console. Donc franchement, fait plaisir de l'avoir à 34 euros, je crois. Ouais, bon, c'est un peu cher, mais bon, pour ce genre de nouveau jeu, voilà, pour la compilation des Pokémon. Et enfin, j'ai eu un cadeau d'un ami, et il m'a offert, parce qu'il l'avait chez lui depuis très longtemps, il m'a offert la manette de Wii pour Resident Evil. Malheureusement, je ne l'ai pas, je le trouve. Mais franchement, un plaisir, parce qu'il a pas retrouvé son jeu, j'ai pareil, donc c'est dommage. Mais sinon, je l'ai pour la collection. J'ai pas mal de trucs de la Wii maintenant. Donc voilà, je suis content de l'avoir. Sa petite boîte de manette, pistolet Wii. Faut la brancher sur la Wii et que la manette et tu l'enclenches là-dedans. Voilà. Bon, un jour quand j'aurai le jeu, je le testerai. Voilà, c'est un petit cadeau, un bon petit cadeau qu'il m'a fait. Je suis très content de ce qu'il m'a fait vu que je lui ai vendu, je lui ai offert. Le jeu de Xbox que je vous ai montré dans un ancien compte rendu de vide-grenier. Et voilà, donc du coup je suis content de l'avoir en fer, et lui il m'a offert ce truc là c'était la surprise qu'il m'a dit, je l'attendais sa surprise. Et voilà, voilà pour ce compte rendu d'achat et de solde cette année, parce que c'était le solde d'hiver. Donc la prochaine fois ce sera peut-être des vide-greniers ou des achats, peut-être. J'espère je vais pouvoir avoir Monster Hunter pour vous le montrer avec d'autres achats. Merci pour ce compte rendu, à la prochaine. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre. Je vais vous présenter mes achats et vide-grenier que j'ai fait en 2 mois même. Alors, je vais vous montrer d'abord
On va commencer par les achats que j'ai eu un peu plus récemment. On va commencer. Attendez. Ouais, celle-là. Voilà. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté à Micromania. Alors, à Micromania, j'ai acheté Dark Souls 2 sur PS4. Mais là, cette version-là est différente parce que la jaquette est différente. Je vais vous montrer. Par exemple. Et je vais vous montrer par exemple la différence entre celui-là et celui-là. Voilà. Bon, il y a la version celle-là dans la PS4. Mais j'ai trouvé parce que c'est la version import et elle est bien en français. Et j'ai trouvé fun cette boîte alors. Voilà. Pour ma collection, voilà. Mais je voulais le reprendre parce qu'il y a quelques contenus qui ont été rajoutés dans la PS, dans la PS4, quoi. Il y a un peu plus de boss, enfin il y a un peu plus d'ennemis, un peu plus fort et tout ça. Donc voilà, je l'ai repris pour ce genre mental. À Micromania pour 21 euros. Franchement, ce prix-là, pour un jeu de PS4, très bon prix. À la Fnac, j'ai repris Fallout. Il était neuf, complet. Ben voilà. Je suis tout content parce que j'ai la carte du coup. Je l'ai repris et c'est un très très bon jeu. Je suis content de l'avoir repris parce que j'avais des petits soucis de bug. Et là, j'essaie de pas trop mettre les mods parce que c'est vraiment les mods qui font foirer un peu le jeu des fois. C'est un peu chiant comme avec Skyrim. Mais bon voilà, je suis assez content de l'avoir celui-là et pour 10 euros, franchement 9,99. Et franchement pour un jeu neuf à ce prix-là, franchement c'était énorme. Franchement je suis super content. Voilà pour mes achats. Ah et puis j'ai alors ensuite dans un vide grenier, dans un petit grenier dans Courcelles sur Yvette, en 78. Je n'ai pas avoué grand chose, mais j'ai quand même trouvé trois jeux. Pour 15 euros, j'ai quand même pris Rayman, mais c'est vrai que ça faisait un peu cher, mais bon, c'est pas très grave. Il était complet celui-là parce qu'il y a la notice. Voilà. Donc, super content de l'avoir celui-là. Il est assez difficile, j'ai testé. J'ai le premier Rayman sur PS1, et là, je me suis dit, allez, il faut qu'on teste celui-là. Alors, je l'ai pris, bon, je ne l'ai pas joué, mais bon, je suis content de l'avoir pour la collecte. Voilà, un bon petit Rayman Légende. On m'a dit que c'est un très très bon jeu, assez difficile et pas mal de niveaux, alors tu ne s'ennuies pas. Ensuite, un jeune qui m'a vendu ses jeux dans son stand. Il vendait des jeux de Wii, je crois. Et d'autres jeux, je sais plus quoi. Voilà, bon bah pour 5 euros, je me suis dit, allez, prends-le quand même. Surtout que c'est Mario Galaxy, mon crapule 2. Voilà, bon, il n'est pas complet, malheureusement. Mais la CD, il est nickel, franchement. Assez content de l'avoir ce jeu. Voilà, un bon petit Super Mario Galaxy, je ne l'ai pas encore testé. J'espère qu'il est bien. On m'a dit que c'est un très bon jeu. Ensuite, un bon petit Sonic Chevalier Noir. Aussi pour 5 euros. Le tout, ça fait 10 euros le tout. Bon, il n'est pas complet parce qu'en fait, c'est pas une notice, c'est autre chose. Mais il est nickel aussi. Voilà. Super content. Apparemment, ça a l'air d'être un bon jeu de Sonic. J'avais testé Sonic à la base. Mais j'ai un Sonic sur PS2, alors je me suis dit il faut le prendre, un Sonic. J'en ai d'autres à prendre aussi sur Sonic. Voilà. Super trouvaille. Ouais, voilà, j'ai eu 25 euros de tout. Voilà. Voilà pour ce vide-grenier. Alors, j'ai fait un achat dans un Maxi Game. J'ai trouvé deux jeux de PS2. Voilà. On va commencer par un bon petit Raz Moquette. Voilà, pour 8 euros. Il est complet. Nickel. Voilà. Il a l'air sympa comme petit jeu. J'aime bien les Raz Moquettes. Quand j'étais petit, j'aimais bien ce dessin animé. Et pour ma collection des Raz Moquettes, je l'ai sur PS1. Voilà. Sur PS2. Et enfin, je vais dire, pour l'achat du Paxi Game, j'ai acheté celui-là. Un de ces bons RPG sur PS2 et super content pour le 22 euros à ce prix-là, c'est très abordable pour ce genre de jeu et parce qu'il était un peu plus cher dans d'autres magasins. Et là, je trouve à ce prix-là, il est complet, nickel. Vous voyez, il est super complet, il est nickel. Franchement, la boîte est correcte, franchement, et le CD et tout le reste. Donc, super content pour les jeux de bon fousset de PS2 d'avoir trouvé ce type de jeu, franchement, super content. Voilà pour ces comptes rendus et voilà. Mais aujourd'hui, je suis parti dans un vide-grenier et dans un achat aussi. J'ai acheté un truc. Alors, on va
On va commencer. Voilà, tout est là. Alors, commençons. On va dire. Allez, on va commencer. Alors, pour un vide-grenier, on va tout sortir. Voilà. Regardez, si on a oublié. Voilà. On va manger rien d'autre. Voilà. Alors, on va commencer par un vide-grenier. J'ai fait un vide-grenier dans le port de Lila. J'ai trouvé un jeu. Bon, bah, le problème, c'est que j'espère qu'il fonctionne. Parce que le CD, il est un peu rayé. J'ai peut-être pas dû l'acheter. Il n'est pas complet, malheureusement. C'est Dijen Fritsch. Moi, je me souviens de ce jeu. Il est super bien. Mais le CD, j'espère que ça va passer quand même. Voilà. Il n'est pas complet. Mais il me l'a fait. Au lieu de 2 euros, il me l'a fait 1,50 €. Franchement, ça va. Pour ce prix-là, je ne vais pas me prendre la tête. Un très bon jeu aussi. Ensuite, j'ai trouvé un lot de PS2. Franchement, voilà. J'ai trouvé celui-là. Bon, il n'est pas 15 euros, ne t'inquiète pas. J'ai trouvé. Voilà, c'était un gars qui l'avait. C'est Robot. C'est Robot Invasion. Ça a l'air d'être un jeu de RPS. Un peu comme type de jeu de guerre, en fait. Il est complet. Ça c'est cool, il est nickel le CD. Franchement, j'ai vu le CD, ils sont super bien. On met un meilleur étage, j'ai l'impression. Voilà, pour celui-là, il était à 2 euros, je crois. Voilà, pareil pour celui-là, 2 euros. Alors, c'est Mage Griffin Bounty Hunter. Ça a l'air d'être aussi un jeu de guerre aussi. Voilà, super. J'ai jamais vu ce jeu-là à la base. C'est la première fois que je vois ce genre de jeu. Je vous dis, les PS2, il y en a tellement, c'est incroyable, comme les PS1. Ah, j'ai du boulot au niveau PS2. Mais là, super, complet, nickel aussi, CD. Et pareil pour celui-là, bon, il n'est pas ce prix-là, vous attaquez pas. C'est marrant parce que ça a l'air d'être dans un mini-maxi game, je reconnais l'étiquette. C'est en Platinum, malheureusement, mais je suis content parce que c'est Jax 3, j'ai pas les autres, mais j'ai trouvé le Jax 3. J'ai jamais joué à ce jeu. Ça a l'air d'être un jeu de plateforme, donc on m'a dit que c'est un très très bon jeu. Et il est incomplet. Voilà, super. Il était aussi à 2 euros le tout. Je crois que c'était à 6 euros. Ouais, c'est ça, 6 euros. Ouais. Pour ce lot-là. Ensuite, j'ai vu un stand. Il y avait un monsieur qui vendait des jeux. Malheureusement, c'est marrant parce que j'ai discuté avec les gars. Il disait que dès le matin, avant qu'il déballait son truc, tout le monde a. Voilà. Il a pris tous les jeux qu'il avait. En même pas un espace de. Alors qu'il venait juste de déballer son truc. Mais quand même, j'ai trouvé deux jeux, même si c'est pas des super jeux. Mais celui-là, il est en moitié pas complet, malheureusement. Mais je suis content parce que il est nickel, je crois. Il m'a fait un prix pour les deux, parce qu'il avait d'autres jeux, j'aurais peut-être dû les prendre, mais je sais pas. C'était des jeux de foot et des jeux de basket, j'aurais peut-être dû les prendre quand même. Et il le faisait à 2 euros, au lieu de 3 euros. Super content. C'était un jeu de Game Finch Legend James, GSC James, un genre de western, un petit jeu de tir. Super couple. Voilà. Et un jeu de Winnie l'ourson. Voilà. Il n'est pas complet, il y a juste la jaquette qui manque. Et sinon, il y a la notice. Et le CD est nickel. Je crois. Je vérifiais. Ouais. Et bon. Il n'est pas terrible celui-là. J'espère qu'il va passer dans la console. J'espère. Je teste. Mais super content. Pour 4 euros. Voilà. Ensuite, on a fait un autre vide-grenier. J'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai quand même trouvé des bons trucs. Alors, on va commencer. Je vais vous commencer par des jeux déjà. Alors, j'ai trouvé deux jeux de PS2, PS1 à 5 euros. Il me le faisait. Bon, ça peut aller. Vu qu'ils sont complets et nickel. Celui-là, c'est un. Voilà, il est complet. Ça s'appelle le jeu. C'est Forza. Forza Ken, voilà, je sais pas ce que c'est un genre de jeu de tir aussi, je crois. Je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être un jeu sympa, complet. Et le jeu s'appelle Ouais, et l'autre c'est Viking Cream. Je connais pas ce jeu, 5 euros aussi, tous 10 euros. Ça a l'air d'être un jeu de tir aussi, un peu de tout. Il y a un peu de ouais, un peu de voiture, il y a un peu de tout. Ouais, il y a un peu de tout. Il est complet, super. Super content, il est complet, nickel aussi le CD, voilà, en bon état, il a l'air, et voilà. Et enfin, pour terminer, avant de passer à un autre truc,
Je vais vous montrer. Il est là. Ce petit sac. Vous allez savoir ce que c'est. J'ai trouvé une console. J'ai trouvé une console. Et c'est la Game Boy en rouge, SP rouge. Il me le faisait à 20 euros. Voilà. Avec le chargeur, j'ai testé, il fonctionne. Je suis super content. À part, bon, l'état du truc, il est un peu rayé. Mais sinon, l'écran, il est nickel. Le reste. Et il m'a rajouté, j'ai acheté un jeu avec. Le tout pour 25 euros parce qu'il faisait 5. C'est vrai que le prix pour ce jeu-là, je sais, j'aurais voulu un peu moins, mais bon, c'est le gars. Par contre, ils vendaient une Game Boy à 25 euros quand même. 30 euros, je crois. Un peu plus cher. Bon, c'est vrai, c'était un Game Boy avec Pikachu dessus. Voilà, alors c'est Pac-Man classique, c'est un jeu de Pexic. Voilà. Voilà, un bon petit jeu Game Boy, histoire que j'en ai un. Et voilà, pour 25 euros. Voilà, et enfin, pour terminer, j'étais dans un petit truc en rentrant à la maison. J'ai passé dans un petit truc de vidéo, DVD, livres. Et j'ai trouvé un bon petit lot de jeux de DVD dans les dinosaures. J'ai le 2, le 3, le 4 et le 5. Mais je sais pas, non, il n'y était pas. J'ai trouvé dans une boîte. C'était en promo, 2 euros en deux tout, ça m'a fait 18 euros. Voilà, franchement sympa. Je pourrais les regarder. Et voilà, j'aime bien les dinosaures. Et voilà, pour ce compte rendu, je vous dis à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Ciao. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre et je vais vous faire un compte rendu de vide-grenier et d'achat, un gros vide-grenier, un gros, voilà, et aussi de vente de par des amis. Voilà. Alors, pour compléter ma collection, alors, on commence par des amis. Alors, mon ami, il m'avait filé des jeux de PS3 et des jeux de PS1 et une PlayStation qui marche à moitié et des manettes. Bon, j'ai des manettes, c'est cool. J'en ai filé un à mon ami. Alors, on va commencer par des jeux de PS1. Alors, voilà, on va commencer par des jeux de bagnole, des jeux de merde. Mais en complétion, c'est pas grave. Par contre, ils sont en état, mais incroyable. C'était un ami qui les avait, il avait longtemps de ces jeux. Alors, j'ai VRA Rally 2005, enfin, Colin McRae Rally. Voilà. Il est complet, ils sont dans un nickel, des états nickel. Merde. Voilà. Ils sont dans un état nickel. Un Colin McRae 3. Voilà. Il est complet. Ils sont nickel les CD, franchement. Un Colin McRae 4. Voilà. Ils sont complets. Et un World Rally Champion. Voilà. Là aussi très très sympa de rentrer celui-là. Ensuite Burnout 3, je suis content de le rentrer finalement parce que j'avais en platinium, donc je suis content de l'avoir en complet. Bon, il y a un peu petit truc là, mais ils sont complets nickel aussi, franchement rien à dire, ils ont bien pris soin quand même. Burnout Revenge, je l'ai repris parce que j'avais en version un peu une CD un peu ma boche, il l'avait dans son lot, donc bon bah, je l'ai repris histoire de dire que je l'ai en bon état. Voilà. Content de le rentrer en bon état. Ensuite, des jeux de Space 3. Alors, je vais pas me tarder avec ces jeux. Un FIFA 19. Voilà. Ils sont complets aussi. Un PES 2009. Voilà. Voilà, il aime bien le foot. Un Motostop. Voilà. Bon, mais, voilà, ils sont pas très bon état. Mais je suis content. Ils sont bon complets. Cool ça. Oui. Et un Need for Speed World Pursuit, voilà, complet aussi. Voilà, un bon petit jeu de Need for Speed. Ils sont pas mal apparemment. Et un bon. Et j'ai récupéré mon Skyrim que j'avais en version essentielle avec la version édition. Je suis content. Il est pas complet, mais il y a peut-être juste voilà, les fameux trucs là pour les extensions. Je m'en souviens de ça. Il n'y avait pas la carte, mais je l'avais accroché sur le mur, je me rappelle. Voilà, content de le rentrer, celui-là, de le reprendre. Ma collection de Skyrim. Ensuite, et en achat, j'ai eu un Monster Hunter 3 Ultimate. Il est complet, vous attaquez pas. J'ai le jeu, il est rangé dans la boîte de DS. Voilà. Et en loose, j'ai eu un Monster Hunter 4. Malheureusement, il l'avait en Micromania, il l'avait en loose. Malheureusement, j'ai la fameuse boîte. Voilà. Et un Maxi-Game, j'ai acheté enfin le South Park. L'anneau du dessin, je l'ai testé,
Il est très 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 mais difficile manège, les mots facile, t'as des combats, mais c'est abusé quoi. Je m'entraîne dans mon ex dans ce jeu, mais il est super, hein, franchement. Je vous conseille si vous êtes fan de South Park. Voilà, un jeu de PS4, enfin, pour l'instant. Voilà, c'est pas évident de les avoir. Moi je prends les bons jeux. Et j'ai un ami qui m'a filé son Wake Up Fight, un RPG que j'aime bien, que j'aimerais bien essayer. J'ai le 2 sur PS2, mais là je l'ai enfin sur PSP. Pas très comment le trouver, je vous assure. Et je sais pas comment il a fait pour le trouver. Il l'a trouvé, il l'a acheté Mexigame. Et voilà, il me le fait à 15 euros, il me fait un prix là, parce qu'il était, il me l'aurait fait plus cher sinon. Donc j'ai pas dit non, je l'ai pris. Il est complet. Voilà. Content de le rentrer, ce jeu. Voilà pour les achats d'amis. Les achats, toujours parce que l'autre je l'ai acheté. En cash, je me suis pris le Final Fantasy, celui-là, en platinium, malheureusement, mais c'est pas grave, je vais pas la notice. Mais il est complet, niveau CD, ils sont dans un bon état, ça c'est cool. Je vais pas dire non, je suis content. Un jeu de PS1, un bon jeu sur PS1, et ça c'est cool. Alors, dans un autre cache, j'ai trouvé, je l'ai racheté le Manakata, mais en version boîte cette fois, il est complet, et ça c'est cool. Il est nickel. Donc du coup l'autre CD en loose, je l'ai donné à mon ami. Je lui en ai fait cadeau. Je lui ai dit tiens, je te le donne. Je te fais pas de prix. Je lui en fais. Je l'ai filé pour remercier. Voilà, pour me remercier pour ce qu'il m'a filé. Et voilà. Et un pouvoir de la force de Star Wars. Le premier sur PS2. 1, 2. Il est complet. Très bon prix aussi. Et un jeu de stratégique version romain. C'est. Historic Channel Great British Rome of Rome, quoi. Je sais pas comment c'est le mal à prononcer. Il est complet. Ça, c'est cool. Très très bon jeu, je crois, apparemment. Et voilà. Au vide-grenier, nous avons la dernière fois. Je me suis pris. J'ai trouvé que ça, malheureusement. Et j'ai pas trouvé grand-chose à Paris. Franchement, à Paris, c'est sacré pour trouver des jeux, quoi. Alors, j'ai trouvé un jeu de. Un manette de Wii. Donc voilà, une Wii. Voilà, en version Wii. Manette un peu spécifique. Il est spécial celui-là, il n'est pas officiel, hein. Mais bon, c'est cool. C'est une manette un peu spéciale et ça c'est cool de le rentrer pour les pour moi. Au vide-grenier, voilà. Ensuite, au vide-grenier du 15 octobre, j'ai trouvé. Alors, un petit jeu de PS2 pour compléter ma collection des Sims. Voilà, enfin j'ai le dernier des jeux des Sims sur PS2, les Sims Animal City, le 2. Il est complet. Bon, la boîte est pas très. Voilà, la jaquette est pas très terrible, mais bon, hein, il est complet. Ça, c'est cool. Un Arthur et les Minimum, j'aimerais bien un jour le voir ce film. Je connais, mais je l'ai déjà vu. Un très bon film, apparemment. Donc, je l'ai pris. En plus, il est à 2 euros. Alors, voilà. Très nickel, en bon état. C'est cool. Et un jeu de PS3, Minecraft. Voilà, je l'ai repris en version PS3. Ça me suffit. Je vais pas le prendre en PS4. Ça me suffit de l'avoir en PS3. Je l'ai pris sur PS3. Il est complet. Voilà. Le plaisir de le rentrer. Ensuite, le vide-grenier d'aujourd'hui. J'ai pris. Alors, on va commencer par un Super Mario. Il était complet. Il y avait un petit CD. Je n'ai jamais vu ce CD. C'est cool. Je ne connaissais pas. Avec ça. Et le jeu. Bon état, il me l'a montré le CD, le gars, parce qu'il gardait les CD, il était malin pour pas se faire voler. Il était complet, ça c'est cool, en bon état, ça fait plaisir de le rentrer. Alors, j'ai prouvé un Garfield. Voilà, compléter mes Garfield, du coup, j'avais pas celui-là, je cherchais celui-là, ça fait plaisir de le rentrer. Et un jeu de Game Boy rétro, un peu de rétro quand même, ce qu'on en trouve. Gasper, voilà. Sur Game Boy, bon, ça n'est pas un super jeu, mais bon, le tout, il me le faisait à 16, 15 euros. Il m'a fait un bon prix, le gars. Le tout, ça c'est cool. Ensuite, le stand que j'ai commencé, c'était. J'ai trouvé 2-3 jeux, il n'avait pas grand-chose. Alors, un Ratchet & Clank dans Gladiator, c'est cool, en platinium, malheureusement. Il était à 1 euro. Voilà. Et voilà. Voilà, le tout il me faisait à 15 euros. Voilà, et l'autre stand, j'ai trouvé un Animal Crossing complet. Il est nickel. Et c'est bien de le rentrer celui-là. Parce que c'est un jeu que j'ai jamais testé.
Et j'aimerais bien un jour le tester, ce jeu. Il a l'air sympa. C'est un livre enfantin, mais moi je m'en fous, hein. Il n'y a pas d'âge pour y jouer. C'est pour essayer, quoi. Voilà. J'ai un Final Fantasy, je sais plus c'est combien, avec DJ of Globus. Voilà. C'est cool de le rentrer pour la collection d'FFFF. Ça fait plaisir. Il est complet. Nickel. Et ça fait plaisir. Franchement. Et pour finir, j'ai trouvé un stand. Et le gars, je l'avais reconnu. Enfin, il m'avait reconnu apparemment. J'ai dit, ah mais oui, c'est vrai. Et j'avais reconnu quelques jeux que j'avais déjà vus dans son stand. Et c'était dans un autre vide-grenier. Et c'est marrant parce qu'il me disait qu'il faisait pas mal de vide-grenier. Il faisait pas mal les vendant ses jeux. Bon, il les vend un peu trop cher. C'est ça qui est con. Mais bon. Moi, il y avait un X-File. Il y avait pas mal de jeux qui m'intéressaient. Dommage, ouais. J'espère que je le reverrai. Alors, j'ai quand même trouvé un Gasper. J'ai pris ce Gasper, il était complet, j'espère qu'il fonctionne, je vais le tester. Moi, j'espère qu'il fonctionne malgré l'état du CD. Mais il est en version et merde. Mais la boîte quoi. Il est complet. Voilà. Il est en version toutes les langues. Ça se voit, on voit pas voilà, la bande. Pété. Qui fait chier quoi. Enfin bref. Et merde. J'ai pété la boîte. Voilà. Et merde. Bon. C'est dommage. Il s'est cassé. On ferait juste ces boîtes. Bon. Je vais manger après. Et j'ai trouvé un Harry Potter sur Game Boy, je l'ai pris parce que ça tombe bien, il l'avait. En tout, il me le faisait à 18 au lieu de 20, quoi. Donc, c'est quand même cher, je trouvais, mais bon. Bon, voilà, merci pour ce vide-grenier et ces comptes rendus, enfin, de tout ce que je vous ai montré. Donc, je vous dis à bientôt pour mon prochain vide-grenier et d'achat. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre et je vais vous faire un nouveau petit compte rendu de vide-grenier, cette fois que vide-grenier. Bah alors, bon, j'ai pas trouvé beaucoup de choses, mais on a quand même trouvé des petits perles rares. On va pas dire que c'est du super bon jeu, mais je suis assez content de ce que j'ai trouvé. Alors, j'étais dans un petit vide-grenier ce matin et bon, pas grand-chose. Pour 80 exposants, je n'ai pas beaucoup sur moi, j'avais que 15. J'avais j'avais 19 euros. Donc avec 19 euros, on peut peut-être trouver des petites choses. Voilà. Alors, nous commençons par le petit vide-grenier que j'ai fait à Palaiseau-Villebon. Alors, je vais vous montrer. J'ai trouvé un jeu de PS3. Bon, j'ai changé la boîte parce qu'elle était dans un état, la boîte, vous pouvez même pas imaginer. Alors, j'avais des boîtes en réserve dans un état assez correct. Voilà, j'ai trouvé ce jeu, s'appelle Legend Beowulf, le jeu, voilà, pas trop le prononcer. Bon, il est complet, il est nickel le CD par contre, ça c'est cool. Elle était à boîte, elle était, regardez, vous voyez, voilà, un bon petit jeu de PS3, ça fait plaisir. Il me l'a fait à 2 euros, il faisait 2 euros les pièces de jeu. Il y avait un peu de tout quand même, il y avait quand même Turok, j'ai vu, j'ai hésité de le prendre. Mais voilà, je suis content de l'avoir trouvé parce qu'il n'est pas très commun à le trouver celui-là, enfin, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai vu une petite dame, elle avait un jeu dans son stand, elle avait quelques jeux de DS. C'était pas terrible. Mais j'ai trouvé celui-là par contre. J'ai trouvé Progression Tremens Cérébral. Maintenant que j'ai une DS, je vais pouvoir y jouer. C'est cool. Et voilà, bon, ça servira pour jouer à la maison quand j'ai rien à faire. J'ai envie de faire un peu de calcul. C'est un jeu qui est pas si mal. Bon, il est. On va dire qu'il est complet parce qu'il n'y a pas de notice à la base. Voilà. Voilà, bon, c'est pas un super jeu, mais c'est pas mal pour s'inscrire pour les maths. C'est un jeu intéressant pour s'intéresser à ce jeu. Voilà, je l'ai pris pour ça. Ensuite, nous avons fait un autre vide-grenier. Je suis retourné à Gif-sur-Yvette que j'étais la dernière fois. La dernière fois, il n'y avait pas grand-chose. Mais là, ça va, il y avait quand même des jeux. J'ai trouvé même des stands avec des jeux vidéo. Franchement, intéressant. Il y avait 300 exposants. Forcément, bon, on a pu trouver des trucs. Voilà, alors. J'ai fait un stand, il y avait pas mal de jeux. Ah, j'ai hésité, il y avait pas mal de jeux quand même. Il y avait des jeux de Wii quand même, j'ai hésité de les prendre. C'est vrai.
Bon, je vais prendre un peu plus tard, c'est pas très grave. C'est pas des jeux que je pourrais les retrouver forcément. C'est pas très grave. Mais par contre, j'ai trouvé un jeu de Game Boy. Harry Potter, il me le faisait à 4 euros. J'aurais bien voulu voir moins cher que ça, mais bon, j'espère qu'il fonctionne. Harry Potter et la Chambre des Secrets sur Game Boy. Ça fait partie de ma collection. Voilà, mon premier jeu de Game Boy. Enfin, mon deuxième jeu de Game Boy Advance, du coup. Voilà, j'en ai un deuxième. Pour 4 euros. Ensuite, j'ai trouvé un autre stand. Alors là, le gars, il vendait un peu plus de choses que l'autre gars. Et là, franchement, j'avais des belles trouvailles. Il y avait des PS1, des jeux de. Il avait des jeux de PlayStation 2, PlayStation 3, enfin, un peu de tout. Il y avait même une manette de Game Boy, Game Day, oui. Alors, j'ai trouvé Tomb Raider le 2. Enfin, j'ai le deuxième en Platinum. Bon, c'est pas grave. Il n'est pas complet. Je vous dirai pourquoi, quel prix qu'il va m'a coûté. Voilà, en Platinum. Mais bon, le CD, il a l'air d'être correct. Je pense, on pourrait passer. Voilà, un bon petit Tomb Raider, le deuxième. J'ai enfin la suite. Il manque le 3 et peut-être un autre, je pense. Voilà, pour compléter ma collection de Tomb Raider. Assez content. Et j'ai trouvé un. J'ai enfin trouvé Burnout Revenge. Super content. Et pour ce prix-là, j'étais content. Alors, il le faisait à 5 euros les jeux de PS2. Voilà, il est complet. Super content. Burnout, un des meilleurs derniers jeux qui était super bien. Je vous le conseille, c'est un des bons jeux de Burnout. Franchement, un bon jeu de bagnole. Si vous aimez bien le jeu de bagnole. Grâce à voilà, des sessions d'Hermine, c'est bon, les jeux comme ça sont sortis. Et j'ai trouvé Sheriff Fais-moi peur. Super content. Pas comment le trouver. Franchement, allez, je le prends. Pourtant, il y avait des jeux. Non, je prends celui-là parce que voilà. Il est vraiment, vraiment pas mal trouvé. Et je suis content. Il est complet par contre. Ah, et puis voilà, il est complet. Et puis j'ai eu un deuxième CD qui était dedans. C'est un Ace Simpson It Runs. Voilà. Bon, j'espère qu'il va passer parce que il y a un cercle sur le CD. J'espère. Je vais le tester tout à l'heure. J'espérons qu'il marche. Un petit bonus. Voilà. Il est complet. Franchement, voilà pour ce jeu. Super content pour cette trouvaille. Mais vraiment, vraiment sympa. Je sais qu'il y en avait sur PS1, je crois. Et faut le trouver quoi. Un des jeux comme ça, je me rappelle. Voilà, pour ce compte-rendu vide-grenier, je vous dis à la prochaine pour mon prochain compte-rendu. Merci, au revoir.